Ah, voisine, il y a un moustique ici derrière. Tu n'as pas pompé où? Georges, il y a quoi? Il y a quoi? Ça fait 2 ans que tu m'as quitté. Je n'ai pas le droit de faire ma vie. Tu fais quoi? Rien. Comment tu trouves la nouvelle voisine là? Quelle voisine? La nouvelle voisine, la fille Claire là. On ne sait même pas si c'est vrai Claire là. Je comprends pas ta question, hein. Je suis toujours la nouvelle voisine comme moi. On te demande si elle est jolie ou bien elle est vilaine. C'est ce qu'on veut savoir. Ah, Sandra. Hein? Tu connais déjà son nom? Ah, c'est toi qui viens de parler d'elle? Je n'ai pas dit son nom. Pardon, il fait nuit. Pardon. On n'a qu'à éviter les histoires. D'accord. Bonsoir, voisin. Bonsoir. Comment tu vas? Chez moi, ça va pas. Oh. J'ai encore cassé le robinet de ma douche là. Tu peux me prêter ton joli mari là. Il va me régler ça. Il est occupé. Non, il ne fait rien. Tu es occupé. J'ai seulement besoin de lui 5 minutes. C'est pas possible. Voici, tu n'as pas pompé ici, oui. Il y a un moustique dès. C'est dommage. Je vais aller voir M. Kofi. Bonne soirée à vous. Mais ça, là, vous pouvez l'aider. Oh, c'est un petit travail. Souder un tuyau qui coule. Qu'est-ce qui est compliqué dedans? Je savais que celle-là, c'était une allumeuse. Je le savais. Quand je n'aime pas une voisine, là, c'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Merci d'être venu. C'est le minimum. Quand on peut aider, il ne faut pas se faire prier. En tout cas, la maison est jolie d'elle. C'est bien décoré comme ça. C'est Georges qui a fait la décoration. Un instant, je reviens. C'est quoi ça? Voisine. Le courant est coupé, hein? Voisine! C'est bon, courant au salon ici. C'est bon. Ça vient d'arriver. Les gens aussi, vous construisez des maisons, les installations électriques là. Achetez du matériel de bonne qualité. Hein? Tout ça là, ça peut créer des incendies. Oh! Ça va? Oui, ça va. Ce sont les ampoules là qui veulent être à son façon. C'est Georges qui fait ça. Qui est Georges là? C'est une longue histoire. Chaud. Non, j'ai froid. Bon, ma voisine, c'est pas grave, on va laisser pour ce soir. Ne fais pas attention à lui. À qui? Il est très jaloux. Georges, arrête! Arrête-moi ça! Ça fait 2 ans que tu m'as quitté. Je n'ai pas le droit de faire ma vie. Je vais vous laisser en famille. Apparemment, toi et Bob, on dirait que vous avez des choses à vous dire. Georges, il y a quoi? Tu peux pas le laisser tranquille? Est-ce qu'il a fait exprès de se tromper de nom? Voisin, c'est pas Bob, c'est Georges. Ma femme m'attend à la maison. Moi, je vais me laisser.
tu es sorti? Georges, arrête! Arrête-moi ça! Retourne dans la chambre! Retourne dans ton cercueil! Bon, bon, pardon. C'est moi le voisin qui est à côté là. Tu me reconnais? Lui aussi, tu veux le tuer? Tu as tué Paul, tu as tué Fabrice. Tu veux tuer le voisin? Tue-le, ça va finir. Tue-le! Bon, papa, bon. Ma chérie, quelqu'un est bien fâché. Est-ce que tu as besoin de parler comme ça encore? Un problème de foyer, ça ne serait pas de la violence. Bon. Moi, je suis de passage.